Merci de m'avoir tiré de là. Je m'appelle Jess. Si tu te bats contre la secte, tu connais déjà sûrement mon oncle Dutch. Écoute, j'ai pas de temps à perdre. Alors je vais aller droit au but. J'étais sur la trace d'un des tarés de Jacob. Il se fait appeler le boucher. Ouais, c'est déjà un peu flippant comme ça. Mais crois-moi, il est encore pire. Je le tenais presque, mais une patrouille de cinglés m'est tombée dessus. Faut que tu m'aides. On doit pas laisser la piste refroidir. Si tu cherches à rallier les Whitetails, ça pourrait être ton ticket d'entrée. Et serait sur le gâteau, t'enverrais un gros sac à merde 6 pieds sous terre. Faut y aller. On a déjà perdu assez de temps. Suis-moi. Par là. Il va falloir pas mal de patience pour vous mettre. Tu vois? C'est sa signature. Des innocents brûlés vifs. Cette putain de secte enlève tout le monde. Que tu sois chez toi, au bar ou à l'église, ils t'embarquent. Ensuite, ils tranchent dans deux catégories. Faibles ou forts. En fait, Jacob crée sa propre armée. Et ceux qui peuvent pas ou veulent pas se battre pour lui, il les fait buter. Il appelle ça « tuer les faibles ». Ça consiste à massacrer des innocents. Personne n'y croyait, parce que personne n'avait envie d'y croire. Par ici. Oh, okay. Merci, merci beaucoup. Il y en a d'autres. Le boucher, il les a emmenés dans la montagne. Okay. Seigneur. Tu sais pourquoi on l'appelle le boucher?
Il y a quelques années, Jacob a envoyé un de ses gars chercher une famille. Les parents et les enfants. D'abord, il les a affamés. Il leur a rien donné, même pas une goutte de flotte. Au bout de 3 jours, ils avaient tellement soif qu'ils buvaient leur pisse. Hey, mais les gamins résistaient. Alors les parents les ont fait boire de force. Et ils ont tout dégueulé direct. Ça a pas pu les boucher. Alors il a décidé d'attacher les parents à des poteaux en fleur et cagnard. Ouvre la voie, je te couvre. N'oublie pas, s'ils nous repèrent, ces gens sont tous morts. Quel ramassis d'enfoirés. Écoutez, c'est la première fois que je vous vois, mais je veux pas d'ennuis. Je peux vous parler, monsieur? Donc le boucher a attaché les parents à des poteaux et a décidé de donner un peu d'eau au monde. Et ensuite, il leur a demandé s'ils avaient faim. Bien sûr, comme ils étaient affamés, ils ont répondu oui. Ils ont supplié pour de la bouffe. Le boucher a demandé s'ils aimaient le porc. Ils ont dit oui. Alors il est sorti voir les parents. Il leur a enlevé leurs chaussures. En chantonnant pour leur couper les orteils. Le sang a giclé comme un geyser. Le boucher avait un grand sourire aux lèvres en offrant chacun des orteils aux gamins. Rapidement, il restait plus d'orteils.
alors il arrive et il a foutu le feu aux parents. L'air s'est rempli d'une odeur dégueulasse de chair brûlée. J'oublierai jamais cette odeur. Quand ils ont enfin arrêté de hurler, j'ai regardé partout et il avait disparu. Il s'était évaporé comme un démon dans la nuit. Enfin bref, c'est pour ça qu'on l'appelle le boucher. Voilà, c'est fini. Dutch avait raison. Le boucher est mort et je ressens rien. Mon seul objectif, c'était de trouver ce type et maintenant... Je sais pas ce que je dois faire. Dutch avait raison sur plein de trucs, en fait. La secte, Ellie... Il a peut-être raison aussi à ton sujet. Toi, si t'as besoin de quelqu'un pour te couvrir... Appelle-moi. Et... Merci. Pour tout ce que t'as fait. Il risque pas de faire ça. Les chasseurs viennent te chercher. Tu n'as nulle part où te cacher.